Salut à tous ces amis, c'est Kigar et aujourd'hui on se retrouve de nouveau sur Alien Isolation. Bon, finalement ça va. On n'était pas trop en retard. Je veux dire, en fait non, en retard n'est pas vraiment le mot que je voulais utiliser. Je voulais plutôt dire, on n'a pas trop perdu de temps. Vous savez, la dernière fois quand je suis mort et que ça m'a fait recommencer loin, bon, en fait c'était pas si loin que ça. Donc ça va. Par contre, c'est toujours la merde. C'est toujours la merde. Parce que là, il y a l'alien toujours de partout. Voilà. Et c'est un petit peu délicat. Bon, cette fois-ci, on va essayer de trouver le vrai chemin. Et pas un magnifique cul-de-sac qui nous bloquera avec un alien et un androïde. Et nous allons avant tout sauvegarder plutôt que de devoir recommencer super loin. J'avais pas fait attention, j'avais pas dû voir ce point de sauvegarde la dernière fois. Tant pis, j'ai voulu aller trop vite et vous voyez finalement ce qui arrive. On va prendre le fusil à pompe et on va essayer de voir jusque... Oh putain, je l'avais pas vu lui. Ok, rentre vite dans le tuyau, Rip. T'es mignonne. Ah bah regardez, en plus je trouve des munitions de pistolet à clous, c'est pas beau ça? Je suis pas sûr que je les avais déjà avant. Si, peut-être, remarque. Ah, mais c'est juste ça en fait. Ah ouais, non, oui. Ah oui, non, d'accord, en fait c'est inutile cet endroit. Parfait. Parfait, parfait. Quoique... Je me demande... Si... Je vais peut-être pouvoir lui mettre la misère ici, en fait. Où est-ce qu'il est passé? Oh! Pardon. Ouais. Attendez, on va suivre le chemin, parce que... Ah, il est là! Salut! Oui, les protocoles de sécurité. Ah! Il va falloir mourir, monsieur. Merci. Ouais, parce que je t'ai mis quand même 4 munitions. T'es mignon, t'es bien gentil. Mais il y a un moment où il faut partir. Voilà. Hop, on va aller par là. Ah, alors ça, c'est la fameuse salle délicate. Ouais, il est là-bas. Il est là-bas directement. Bon. Il m'a vu. Non, il m'a pas vu, là. Je dois bien aller là-bas. Ok. Je sais pas s'il m'a vu là. C'est très étrange ce qui est en train de se passer. Cette situation est vraiment très étrange. Est-ce que je peux crafter un cocktail Molotov? Non, je n'ai pas de quoi. Ça m'embête. Ça m'embête grandement. Je sais pas s'il m'a vu. Je crois qu'il m'a vu là. Non, il m'a pas vu. Dégage! 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 Non! Je rigolais! Et non! Je crois que j'ai très mal géré. En fait, j'ai cru pouvoir le faire retourner dans sa petite cage. Enfin, dans sa petite cage. Dans sa bouche d'aération. En le bourrinant avec le fusil à pompe. En fait, je crois qu'il ne retourne pas. Cela dit, il semblerait que je puisse... Allez! Ah bah voilà. Économie de balles par rapport à la dernière fois, c'est pas mal. En fait, je crois que je peux simplement le ralentir, l'alien. Avec le fusil à pompe. Ce qui est pas mal non plus, finalement. Mais n'est pas forcément le plus optimal. Du carburant! Ah, attendez, par contre, lance-flamme. Du carburant! Ah bah là, je vais pouvoir le faire rentrer. Merde, il m'a vu là. Hein. Il m'a vu. Ok, c'est bon, j'ai rechargé. Non! Oui! Non, t'es en feu là. T'es en feu, tu pars. Va-t'en. C'est quoi ça? Une bouteille? Non, c'est pas du carburant ça. Ok, on va se dépêcher juste un peu. J'ai un truc à activer là, non? Carte d'accès requise. Oh oh. Attendez. Il doit y avoir la carte d'accès quelque part, genre sur lui par exemple. Non?
pas du tout. Par contre, je dois avoir le code. Il y avait un panneau avec un code. Alors, on va aller voir. Attendez, dernier acte. 1-9. Ok, 1-9-8-4. 1984, en fait. J'ai pas lu le reste de la note. Je sais pas s'il y a une référence ou un truc, mais je sais pas. Ça m'inspire. Quoi, carte magnétique requise? Eh, hey, t'es pas gentil. T'es pas gentil, je t'ai déjà donné. Ouais, mais alors attendez. Ah, elle est peut-être là, la carte magnétique, cela dit. Inventaire plein. Sur ce charmant jeune homme. Du mélange B. Non. Échec des stabilisateurs orbitaux. Abandonnez la station. Abandonnez la station. Oui. Mais alors attends, mon bonhomme. Je veux bien abandonner la station. Il n'y a pas de problème avec ça. Je veux juste savoir où serait éventuellement la carte magnétique. Parce que, vois-tu, ça m'embête un petit peu. Bon. Ok, très bien. Voilà. Ok, en fait, le code n'était pas un code directement pour le panneau électrique qu'on a vu là, mais simplement pour le coffre qui était juste sur le côté. Du coup, j'ai trouvé la carte magnétique. Donc, on va l'utiliser. Et elle va nous débloquer quoi, du coup? Ah, ça va. Ah ouais. Ça, c'est un panneau de commande de l'utilitaire. Bon, d'accord. Pourquoi pas. Après tout, ça aurait été plus logique de mettre juste la porte, mais... On va aller par là, hein. Même si j'ai l'impression que non. Bon, soudeur ionique. Allez. Dépêchons-nous, s'il te plaît, Ripley. J'ai entendu des bruits de pas un peu forts qui ne me plaisent pas vraiment, je dois avouer. Hop. Non, je veux pas de responsable synthétique. Ils ne me plaisent pas vraiment, ces gens-là. Ok. J'ai envie de courir, mais... Vous êtes encore très nombreux à me dire « Tu cours trop, tu cours trop !» Et là, ça me fait peur. Je dois avouer que ça me fait peur. Je sens le coup où si je me mets à courir, je vais m'en prendre plein la tête. Donc, on va éviter. On va éviter simplement... Hop, voilà, un petit peu de lumière, je ne dis pas non. Ok, calmons-nous. Calmons-nous, calmons-nous. Ouais, qu'est-ce que je cherche ici? Un point de sauvegarde, voilà ce que je cherche. C'est parfait. C'est exactement ça que je voulais. Non. Enfin, si, mais... Bon. Bonjour, monsieur. Là-dedans que je dois aller? Non, hein. Il faudrait que ce soit ici que je dois aller. Ah, mais d'accord. La porte est fermée. Et je n'ai pas tilté. Donc, hop. Sur le côté. Il y a du carburant ici. Parfait. Parfait, parfait. D'ailleurs, pourquoi il a le revolver en main et pas le lance-flamme? On va juste recharger un petit peu. Voilà. Et là, on va. Je sais pas trop, mais on va. Ah, il faut que j'active encore un truc ici. Mais du coup, j'ai pas la carte d'accès et il y a encore du carburant. À la fois, ça me rassure, à la fois, j'aime pas beaucoup. Ok, j'ai cru qu'il y avait un bruit d'alien là. Générateur opérationnel. Oui, mais. Oh! Oh! Bon, j'ai niqué les trois quarts de carburant, mais je l'ai bien défoncé. C'est pas juste! Oh merde! Non. Il a fait ça? Non, 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 attends! Attends! Non, t'es salaud! Dégage! Mais non! Mais non! Ça a pas fonctionné!
Ouhouhouhou, regardez-le, il est juste là. Et en plus, il s'en va. Simba, t'es en train de tourner de l'œil là ou quoi? Reste avec moi, mon bonhomme. J'ai encore besoin de toi ici. On n'est pas encore sorti d'affaire. Je sens que je devrais pas recharger mon lance-flamme maintenant, mais. Ok, si ça va. Ok, on va se lever. On va essayer de pas trop traîner. Sans non plus trop attirer l'attention. On va juste y aller calmement. Ok. Il y a un point de sauvegarde ici. On va sauvegarder. On a quand même franchi une belle étape, il me semble. Voilà. Là, c'est chaud, là. Honnêtement, là, c'est très chaud. Vraiment très, très chaud. Quoi? Oh, putain! Brûle! C'est pas parce que mon lance-flamme, il fait plus de bruit que tu dois pas brûler. Pourquoi il faisait plus de bruit mon lance-flamme? C'était étrange, ça. Je sais pas si vous avez vu, je sais pas comment ça a capturé pendant la vidéo. Quoi? Redémarrer le générateur. T'as fait péter les plombs. Il est où? Ah, il est là. Sérieusement? Ça a fait péter les plombs? Oh non, Rip. T'es pas cool. Oh putain, il est juste là. Allez, va-t'en. Tu veux le feu? Tu veux le feu? Moi, je te fais le feu, hein. Non, mais dégage! Oh non! Non! Oh, il est parti! Oh, il est parti! Oh là là! Oh là là, les balls! Oh, y'a rien là-dedans, putain, t'es sérieux? Ok! Attendez, il a atterri où là? Non, non, attends, attends! Putain, je sais pas où il est. Je sais pas où il est. Je sais qu'il est là, mais je sais pas où il est. Ah, il est là. Il est là-bas. Il est là-bas. Le générateur est là. Et il a pas l'air de vouloir bouger, le salaud. Oh putain, si. Il arrive. S'il te plaît, rentre! Rentre là-dedans. Bon. Il est juste là. Vous croyez qu'il peut rentrer là-dedans? Oh putain de merde. Bon. On sait qu'il est là. Voilà. Allez. Casse-toi! Pas ce qu'il fait. Ok, je crois qu'il part. Non, il est là. Il est encore là, mais qu'est-ce qu'il fout? Ok, là il part. Ok, bon. Le générateur. Il est là. Il est là. Active-toi! Je vais te défoncer. T'es mignon. Encore. 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 Voilà. Bon, alors ça fait des méga stations, mais ça fait pas des générateurs qui s'activent du premier coup. Pas exagéré non plus. Oh là là. Oh mon dieu. Oh mon dieu. Sauvegarde, Rip. Sauvegarde. Bon. En fait, vous voyez, je crois que j'ai fait une bêtise. Je sais pas pourquoi, je suis à peu près sûr qu'en fait,
qu'en fait j'aurais pu. Oh putain. Oh putain. Oh, le coup de chance! Le coup de chance miraculeux! Formidable! Je pense que j'aurais pu activer le générateur directement après avoir activé la carte. Sauf que moi, je suis parti directement vers l'objectif. En fait, je pense que j'ai fail. Mais en même temps, je sais pas. Ah, ça aurait été intéressant de savoir. Oh non, t'es pas cool là. C'est bon, on y est. Les enfants là, on y est. Active là, oui, d'accord. Attendez, faut qu'on fouille un peu là, hein, parce qu'on a plus rien, c'est pitoyable. Une charge de taser, c'est toujours ça. Un petit message audio. Ouais. Faut absolument fouiller les caisses. Les caisses pour trouver du carburant. Bon, y a rien. Tant pis. Allez. Bon, on avance. Malgré tout, on avance. Même si c'était un petit peu délicat ici. Elle est là. Ok. Mon Dieu. Je déteste. En fait, à la fois j'adore et à la fois je déteste ces phases parce qu'elles sont terriblement stressantes et en même temps c'est l'action du jeu. Donc, je suis torturé entre c'est cool et c'est pas cool. Enfin bon. Voilà. Hey, attendez. J'ai l'impression qu'on retourne aux endroits du. Du début du jeu, regardez. Avec tous les tags, tout ça. Ça vous dit rien? Non, quoique, peut-être pas en fait. Attendez, si, ça c'est la grande salle! Regardez! C'est la grande salle qu'on avait verrouillée au début. Ou du moins, c'est une salle un petit peu pareille, mais. C'est quoi ça? C'est quoi ton délire? C'est une des grandes salles du début. Bon. Alors, il va falloir que je descende. Mon Dieu. C'est balèze quand même. Hein. C'est beau. On dirait qu'il y a une créature invisible devant moi. C'est très étrange ces manières de faire des petits nuages là, de fumée. Ok, je crois que je peux courir. Hein. Je ne devrais pas trop craindre quoi que ce soit ici. Il va falloir que... J'utilise le soudeur sur la porte. Hop. Parfait. Et gauche et droit. Un petit coup de molette. Et puis on y va. Il y a un ascenseur juste devant. Cette phase, je ne suis pas certain de son utilité. Baie de remorquage. Hé, on y est arrivé là! On y arrive! Attendez! Vous croyez qu'on est à la fin? Ça me semble trop facile. Oui. Qu'attends-tu de moi? Qu'attends-tu de moi? Oui, je te reçois. 5 sur 5, il n'y a pas de problème. Tu veux pas que je mette une combi? Non? Bon, d'accord. Bon, écoutez, on va courir un peu. Au pire, on va mourir. Oh! Il fait quoi, lui? Hey, yo, tu fais quoi, toi? Je suis mort? Comment j'étais censé...
Ok, toi mon pote, même pas tu me touches. Voilà. C'est comme ça que ça se passe ici, je suis désolé. Non, je voulais pas faire ça, je rigolais. Pourquoi? Il faut toujours que je déploie 50 000 trucs. En plus, y a rien ici, putain. Tu te fous de ma gueule. Il est là, le PC. Bah ouais. Ah, salut. Tu te mens à toi-même. 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 Et là, tu vas me niquer. Mais oui. Hop, allez, on initialise vite fait la procédure. Verrouiller. Comment ça, verrouiller? Hey, c'est quoi ton business, mon pote? Attends. Lalalala. On passe loin de lui. Loin de lui. Loin de tout le monde. Attendez, c'est ça que je dois activer? Attendez, s'il te plaît. Concentre-toi, Ripley. Rétablir le courant. Oh, diablerie. Ah, ça passe dans les conduits. Bon, go dans les conduits. Hop. Ok, attendez, vous savez quoi? Je vais me faire un medkit. Non, parce que là, je le sens pas bien du tout. Mais genre, pas bien du tout. Donc on va même en faire plusieurs, histoire de se redonner toute la vie. Hop. Allez. Voilà. Et encore, encore, j'ai pas fini. Et voilà, on va aussi recharger notre lampe torche. Voilà, comme ceci. Bonjour monsieur, vous allez bien? Non, pas bien, de toute évidence, hein. Et on va aller jusqu'au générateur. Peut-être par là. On va regarder droit devant nous parce que je crains le petit facehugger putassier là. Je sens que c'est mauvais. Voilà, c'est bon? Rétablis le courant. M'emmerder, hop, oh, pas le petit facehugger putassier. Ah, bah, il semblerait que non. Bon, bah, ma foi, très bien. On pourrait sortir par là, mais non, en fait, hein, on va sortir directement à côté de l'interrupteur. Tant qu'à faire, et on va rétablir le courant. Ah, il va falloir en pirater. Il y en a deux. Ok, PGM. PGM. PGM, et voilà. Il n'y a pas de problème. Il n'y a aucun problème. C'est tout? Ah, il y a un autre truc là-bas. Hein. Ouais. Regardez-le. Je passe là-dessous. Hop. Elle dit les pales d'amarrage, il y en a deux. Donc théoriquement, un et deux. Ça devrait être logique là, non? P. G, M, voilà. C'est comme ça qu'on fait. MLG, top SR. Et tout le bordel. Le terminal qui est verrouillé à côté du pabot. Oui. Bien sûr. Bien sûr, bien sûr. Et je me rapproche de plus en plus de la planète. Donc on va se dépêcher un petit peu, Ripley. Toi, tu restes là, je vais pas t'activer. Hein. Je reste le plus loin possible de toi. Et quant à toi, hop, on initialise la procédure d'amarrage. Voilà. Que veux-tu que quoi? Oh, zut. Ok, on y va tranquillement. On voudrait pas non plus alerter l'alien, hein. Heureusement qu'il n'y a pas de timer ou un truc comme ça, parce que je vous le dis direct, on aurait fail. Ah oui, là on aurait fail et on aurait passé un bon petit moment là, moi je vous le dis. Ah, sacré moment. Et encore là. On n'a pas l'alien avec nous. Oula, je suis presque sûr que c'est pas censé faire ça.
Je suis presque sûr. Il y a un point de sauvegarde. Non. Oh. Oh. Je sais pas si vous savez pourquoi j'ai eu peur, mais il y avait un trou d'alien juste au-dessus de moi. Et je sais pas pourquoi, mais je l'ai vu me tomber dessus. Oh, là aussi, mais non, mais... Calmement, calmement. Ah. Oui. Qu'est-ce que... Je vais devoir me dépêcher, là, c'est ça? De retourner au sas. Ok. Ok. Bon, vous savez quoi? On va se dépêcher. Oh! C'est pas ça que je voulais faire. Non. Non. Alors non, du coup. Voilà, bah... Vas-y, je t'en prie. Passe devant. Saloperie, putain! Il m'a fait trop peur! Bon, on va peut-être pas tant se dépêcher que ça. On va prendre notre temps. Il est devant, il est cool, il est là. Hein. On va le suivre. Vous savez quoi? On va le suivre. Passe devant, je t'en prie. Fais ce que t'as à faire. Voilà, écoute, hein. C'est tout à fait normal après tout, on a tous des choses. Quoi? Genre, ils sont combien, là? Et c'est quoi le business, là? Ouais, je préfère ça. Ouais, mais alors, attendez, je sais qu'il y en a un autre, là. On va passer dans les tuyaux. S'il te plaît, tombe tout de suite dans le tuyau! Merci. J'ai eu trop peur. J'ai pas bien aimé le principe, là. Le coup du... Eh, hey, t'as vu? J'ai disparu à côté. Il m'a... Je dois avouer que j'ai pas kiffé. C'est pas trop mon délire. Ok, vous croyez que si je peux y aller tranquille, là? Oh, easy. Easy! Easy! Calmement quand même, mais easy. Voilà. Non, non. Ok. Putain, je sais pas où il a apparu là. Non. La combi. Ok, je crois qu'on est sorti d'affaire. Il n'y a plus aucun bruit, c'est très bizarre. Oh non. Salut. Viens la famille. T'es pas sérieux là? Hey, t'es pas sérieuse là? Mais vieille meuf, comment t'as la poisse? Mais non! Mais non! Mais juste non! T'es sérieuse? Ripley, t'es sérieuse? Salope! Non! Mais non! Non, mais 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 non! Mais non! Trop deg! Oh! Oh!
Vous savez ce que j'allais dire? J'allais dire, vous allez voir qu'il y en a un que je vais pas le voir, il va me sauter sur la gueule. Et bien voilà. Eh, fantastique. Je te déteste, Ripley, mais tellement, mais tellement. Mais je te déteste tellement. Ah. Cette haine absolument totale. Totale. Complète et... Mon Dieu, non. Je te déteste, Rip. Mais genre vraiment. Rien à foutre au fusil à pompe. Aucun respect, je vous le dis tout de suite. Hein. Ça fait... En fait, je vous explique. Ça commence à faire un petit paquet de fois que je recommence. et en fait, je commence un peu à en avoir marre. Donc je me suis dit, écoute, vas-y au fusil à pompe, fais-toi plaisir. Voilà. Donc on est au fusil à pompe. T'es pas sérieux, t'es pas sérieux, t'es pas sérieuse. Ripley, t'es pas sérieuse. Non, non, non. Non, mais y'a... Non, mais non. Bah oui. Laisse-moi recharger. T'es patient. Merci, mon gars. Eh, Ripley, t'es juste... T'es pas sérieuse. Ouais, ouais, bah dégage. Ok, là, je vais mourir. La porte, ouvre la porte. Oh non, Rip! Rip, t'es pas sérieuse, t'es... Oh putain, j'ai cru que j'étais mort. Comment t'as la poisse? Mais c'est un truc de malade. Mais meurs tout de suite. Je veux dire, c'est bon, j'ai compris. T'es... Là, c'est ton destin qui essaye de te parler, là. T'es pas censé sortir d'ici vivante, là. C'est... Stop. Stop. C'est... Arrête d'essayer. Ça devient ridicule, là. Allez, 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 allez. Descends, descends, descends. Tranquillement. Ok, il y a du carburant. En veux-tu, en voilà. Très bien. Moi, ça me convient parfaitement. Encore? Tu veux pas m'en donner un peu plus? Ouais, parce que moi, je suis un peu... Je gaspille, tu vois. Y'a pas un point de sauvegarde? Oh, y'a pas de point de sauvegarde, ça veut dire que je recommence tout depuis tout là-bas si je meurs. Puis bon, il semblerait que j'ai quelques raisons de mourir. Attends, faut que j'arrive où? Eh, ils vont vite en fait les transports, c'est un truc de malade. Bon, théoriquement, il passera pas ici. Théoriquement. Je sais pas où je dois aller. Quoi? T'es sérieux? Objet. Mais vous êtes sérieux? Non mais non. Ah ouais, c'était chaud, ouais. C'était chaud. Oh putain. Oh putain. Saute! Attendez, mais... Je vais sortir ma tête, il va sortir. J'en étais sûr. J'en étais sûr de ce coup-là. Ouais, bon, normalement... Bon, on va dire que t'as eu un petit réflexe. Mais en vrai, ton crâne, il est juste 300 mètres plus loin. Hein. Je te dis ça amicalement, Rip.
Genre baisse-toi du coup. Là 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 la porte. Ici. Garde le fusil en main parce qu'on sait jamais. Est trop marrant le jouet. Je sais pas si je passe par là. Bon. Non 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 non. Annuler la mission. Mon dieu. Ah merde, j'ai dû repasser par là. Oh non, mais t'es pas cool là. Bon. Bon bah. Quand faut y aller, hein. Faut y aller. Fusil en main. Fusil en main. Oh non! Non! Il pleut. Si tu me fais recommencer au début. Oh, c'est bon. Bon, ça va. Oh, j'ai tellement peur. Mais tellement peur. C'est bon, c'est bon, c'est bon, c'est bon, c'est bon. Easy. Il y en a d'autres là. Ok, non, ça va. Oh. Ok, bon. On parie qu'il va tomber lui. Voilà. T'es sérieuse là? Mais t'es... Quoi? Je sais pas. Je sais pas. Grimper, mais où grimper? Ah. Non mais abandonne, Rip. Abandonne. Tu veux pas remettre des gouttes là, puis qu'on se retape un truc en 4 étages plus bas? Non, ça va? Ok, parfait. Détacher le torrent. Eh bah allez, on détache. Hein. Moi je détache qui tu veux, je détache tout le monde. Si tu veux, je vous détache tous, mais tous! Ok. Oh, ok, c'est un peu la... Oh, ok, c'est un peu la merde. Je vois ce que tu veux dire. Allez, on descend tous. Ah non, on monte. Ok, j'ai cru que le truc descendait sans moi. Je me suis dit, j'ai cassé tout là. Oh putain. Oh la vache. Oh la vache. Oh la vache. C'est la merde. Tu devrais aller encore plus lentement, Rip. Oh, il y a des bouts de tour qui partent. Bon. Tranquillement. On y va à petits pas. Petit pas, petit pas, petit pas, petit pas. Oh! T'es sûr? Attends, je vais pas pouvoir passer là avec ce qui vient de rentrer dans le machin. Ça va mal se passer ce voyage. Ça va? Ça va tellement mal se passer ce truc. Bon bah allez, tant pis. Hein. YOLO comme disent les jeunes. Tranquille. Je le sens quand même pas très bien. Je... Oh putain, mais regardez-moi ça, comment c'est ouf. Allez, saute par-dessus, saute par-dessus. On y est là?
Oh là là, regardez. Stairway to Heaven. Doucement. Allez. Monte les escaliers, ils sont penchés, mais c'est pas grave, monte les escaliers. Tranquillement, tranquillement. Aïe, 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 aïe. Aïe, 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 aïe. On est au bout, on est au bout, c'est bon. On est au... Regardez-moi cette planète! Ouais! Je les vois. Ah, ok, c'est derrière. Carte d'accès! Ah non, je... Je crois que j'allais te casser la gueule, là. Je veux dire... C'est bon, Rip, laisse-le... Oh, regardez-moi ça! Putain, devant! Mais comment c'est dingue! Il faut que je remonte par là. Ok. Regardez-moi cette station, mais elle est immense! Elle est immense! Il y a une lune là-bas! Il y a une lune! Oh, le truc de fou, putain! Le truc de fou! Wouah, ils se sont fait plaisir là, les gars! Ils se sont fait grave plaisir! C'est bon, on a tout fait péter! Attends, tu fais quoi là? J'ai tout fait péter! Attends, j'étais censé prendre un truc ici. Oh! Attends, j'arrive. Je failli me retaper tout le chemin inverse. Hein. On a eu chaud. Allez. Danger. Méga boum boum. Ok. Il faut appuyer sur ouais, ces touches-là. C'est... Voilà. Exactement. Oui. Active. Voilà. Celle-ci. Vis, voilà, plus comme ça. Et ouais. On va toutes les faire une par une là, vraiment. Sinon, vous ça va? Ouais. Bon, bah écoutez, ça va alors. Tout va bien, j'ai envie de dire. C'est juste que, bon, non, mais c'est vrai. Je suis d'accord. Ah ouais. Non. Déconne. Ok. C'est marrant. On y est. Enfin. Ça, c'était peut-être un petit peu de trop. Hein. Ces quatre activations là de bombes. On aurait pu en faire une et que ça fasse tout en même temps, non? Quoi? Oh. Attends, tu fais quoi là? Genre, what? Je suis en chemin vers le pont. Wouh! Eh ben! Pas mal! Pas mal, pas mal tout ça! Nom de Dieu! Je suis en chemin vers le pont. Du coup, t'enlèves pas le casque? Non? Ok. Bon, on va garder le casque alors. Hein. Ah non, ça y est, je vais pouvoir l'enlever là. Non? Non, bon, d'accord. Pourquoi elle répond pas, la dame? Oh! Pardon. Touchez plein!
Laisse-moi partir. Laisse-moi partir. Arrête, tu te fais du mal. Je vais te tuer. Déplacement gauche. Déplacement droit. Déplacement. Diagonale, fléché, nord, quart, sud-est. C'est fini? Oh! Ok. Qu'est-ce que c'est que cette fin? Ok, attends, mon petit Simba, je vais te poser là. Je suis un petit peu partagé, je dois avouer que je ne sais pas trop quoi dire là. Je suis partagé entre... Waouh, c'était totalement épique. Et... Qu'est-ce que c'est que cette fin de merde ? La fuite du vaisseau où il y avait Marlowe était plus épique que ça, et c'est tellement brusque et cette fin dit tellement rien. Je veux dire, bon, on se doute que la petite lumière qui passe à côté de Ripley, c'est la lumière d'un vaisseau qui vient la chercher ou qui a pu la sauver, mais même pas, ça pourrait très bien être un débris ou le même vaisseau qui passait à côté, ou puisque sensiblement l'autre dame, j'ai oublié son nom, ne répond pas puisqu'il avait la enfin. Et puis c'est tellement brusque, au final on sait rien. Tout ce que je me dis, c'est tout ça pour ça. Oh mon dieu! Écoutez les amis, c'était Alien Isolation. Merci à vous d'avoir suivi jusqu'au bout, malgré le fait que j'ai mis énormément de temps pour le finir. J'en suis désolé, j'aurais aimé sincèrement aller plus vite. Malheureusement, j'en ai pas eu la possibilité. Bon, c'était quand même beau. C'était quand même pas de la merde, c'était quand même pas mal, assez répétitif, je dois avouer, dans certaines phases, mais c'était quand même pas trop mal, voilà. Je pense que graphiquement, le jeu, enfin les graphismes du jeu sauvent beaucoup le jeu d'ailleurs, hein, parce que honnêtement c'est vraiment super beau. Mais vraiment, vraiment super beau. Par contre, c'est vrai que voilà, niveau gameplay, on a vite fait le tour une fois qu'on a compris les mécaniques. Et même le fait qu'on ait le lance-flamme, le pistolet à clous, tout ça, selon moi, ça suffit pas à sauver tout le bordel. Mais bon. Écoutez, c'était quand même pas mal. C'était quand même bien sympathique. J'espère que vous avez apprécié ce petit let's play très long de Alien Isolation. On se retrouve très bientôt pour de nouvelles aventures. D'ici là, je vous dis salut à tous. Très bonne continuation. Ciao, ciao tout le monde.